Aujourd'hui, je dois finir Minecraft, mais les mobs sont OP. Ah non, c'est pas une blague, ils seront tous ultra cheatés. Vous en avez marre des mobs normaux? Boum, voici un super pig. Vous en avez marre de l'iron golem basique? Boum, voici un super iron golem. Ah, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils donnent tous ces mobs. Il y aura même des super items ultra cheatés qui m'aideront à faire ma survie. Ah, j'en ai de la chance. En tout cas les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne YouTube. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah t'as juste à t'abonner. D'ailleurs les gars, boum, merci aux membres de la chaîne. Ceux qui apparaissent sur cette liste, c'est tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est comme une sorte d'abonnement, donc un soutien. Donc je me dois de les remercier. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, il est en description. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gens, du coup, on se retrouve directement en jeu. Et je comprends pas trop, j'ai spawn avec un seau violet là, je comprends pas trop ce que c'est. Mais apparemment, il faut que je trouve un cochon et que je le mette à l'intérieur. Si ça marche, c'est what the fuck. Mais avant, est-ce qu'on peut parler de ce spawn incroyable? En vrai, il est gavé beau. Oh là là, j'ai toujours de la chance avec mes spawns. Bon, on va commencer par couper du bois directement. Voilà, et comme d'habitude, on va se faire nos premiers outils en cobble. Hop, la table de craft, un stick, boum, hop, et on se fait notre première pioche en bois. Et c'est parti pour choper de la cobble. Parfait, on se fait une petite hache, boum. Et on est paré pour trouver notre premier cochon. Il me faut absolument des cochons, mais il n'y en a pas autour de moi. Par contre, il y a de la canne à sucre, ça c'est cool. Pour les enchantes, ça va être bien. Ok, je crois qu'il y a nos premiers cochons, let's go. Est-ce qu'on peut le mettre à l'intérieur? Mais oui. Attends, mais il y a vraiment un cochon dans un seau là. Non mais c'est quoi ça? Bon, on va voir directement qu'est-ce qu'on a comme craft de disponible grâce à ce cochon. Et oh, qu'est-ce que c'est ça? Un super cochon, ok. Donc il me faut 9 viandes de cochon pour faire spawn un super cochon. Bon, il n'y aura pas assez de cochons par ici, mais on peut essayer au moins d'en choper 9, let's go. Boum, boum, bam. Bon, on en a 6, c'est toujours pas assez. Bam, bim. Ok, on peut crafter enfin le super cochon. Ok, let's go, boum. Oh, let's go, ok. Par contre, j'ai un peu peur, mais vas-y, c'est pas grave. Let's go, on va le faire. Oh, what? Qu'est-ce qu'il arrive? Mais il a pris de la drogue, mais c'est quoi ça? Attends, mais il me balance des super bacon partout, regardez, c'est quoi ça? Mais les gars, mais qui lui a donné des stupéfiants là? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, par contre, il me donne des super bacon, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça fait si je mange un super bacon? Mais oh! Attends, mais regardez tous mes cœurs. En plus, je peux courir ultra vite et c'est un effet de régénération ultra cheaté. J'ai même jump boost. Bon, j'en ai récupéré un stack. On va essayer de le tuer. Let's go. Allez, viens là. Mais il court partout. J'arrive pas à le tuer. Ok, let's go. Il est mort. Il m'a passé une viande verte. Alors, je vous avoue que j'ai pas confiance en cette viande. On dirait qu'elle est périmée. Ok, il me demande de mettre une gunpowder dans un coffre plus la viande. Bon, bah, il faut qu'on trouve un creeper très rapidement. Ça devrait le faire vu comment ils sont un peu chiants sur ce jeu. Ok, on a une giga grotte juste ici. Oh là là, on a de la chance là. Oh, regardez tous les creepers qu'il y a là. C'est parfait. Il y a même de l'eau juste en dessous. De moi. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Let's go. Attendez, mais il y a vraiment beaucoup de mobs là. C'est quoi tous ces mobs? Bon, je mange des super bacon là et c'est parti. Je crois qu'on va devoir les tuer. On n'a pas le choix. Ok, on va essayer de tuer le creeper. Let's go. Ok, mais ils veulent pas me donner de gunpowder. Ok, là il y en a un autre. Meurs. Ok, let's go. Bon, du coup, on va crafter le coffre directement. Et du coup, ils nous ont demandé de mettre la gunpowder et la viande dedans. Let's go. Ok, wow, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive au coffre? Je comprends pas. Waouh. Ok, ok, ça a fait spawner un creeper. D'accord, un creeper multicolore. Je comprends pas. Il place de la TNT tout autour de lui. Oh non, il faut que j'arrive à le tuer. Mais c'est quoi ce creeper là? C'est qu'il fait trop flipper. En espérant qu'il explose pas parce que sinon il fait péter toutes les TNT et là je suis mort. Ok, let's go. Ok, il m'a passé un super bazooka. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça a l'air super cheaté. Déjà on va prendre un petit peu de TNT. Voilà, on va en prendre un petit peu. Let's go. Peut-être que ça va nous être utile. Et maintenant on va essayer le super bazooka. Boum. Ouais, c'est super cheaté. Ok, bon là les mobs, venez vers moi. Allez, venez. Boum, boum. Regardez comment c'est trop cheaté, je kiffe trop. Allez hop, boum. Regardez tous ces creepers là. Boum. Les gars, je suis invincible. Est-ce que je peux faire péter la TNT avec directement? Ah oui, ok, wow, faut que je fasse gaffe. Je suis en train de tout faire péter. Ouah, wow, j'ai eu peur. Bon, à part ça, c'était des TNT normaux en vrai. À moins qu'il y ait un truc. Ah ouais, ok. Ne faites pas exploser un iron golem. Ok, donc là, ils nous ont demandé de pas faire exploser un golem. Mais vous me connaissez, je pense qu'on va le faire quand même. Bon, on va récupérer un tout petit peu de fer histoire de se faire un briquet. On reviendra plus tard dans les mines pour se faire un full stuff dans tous les cas. Hop, je fais cuire le fer. Et il me faut du gravier. Let's go, il y en a juste ici. Ok, j'ai eu mon flint directement. On va se faire le briquet. Et il faut que je trouve un village. Je veux faire exploser ce golem. Bon, par contre, ce qui est cool avec les bacon, c'est qu'ils nous donnent jump boost. Et du coup, je peux facilement remonter à la surface. Allez, on remonte à l'ancienne. Ok, me revoilà à l'extérieur. Bon, par contre, il y a plein de mobs sur moi. Attendez, mais par contre, j'ai un bazooka. J'avais oublié ça. Je suis à la recherche d'un village. Oh là là, je sens que je vais marcher pendant 3 heures avant de trouver un village. Pour le moment, ça vient de commencer. Mais j'adore ce mode. Oh, let's go. Un village juste ici. En vrai, ça va. J'ai pas tant marché que ça. Bon, habituellement, je récupère les blocs
de pain, mais on a des super bacon. Le pain nous sert à rien. Ok, il y a le golem, il est juste ici. Bon bah c'est parti, on va essayer de le faire exploser. On va en mettre plusieurs je pense, parce que c'est un golem quand même. Allez, c'est parti, on va voir s'il va mourir ou pas. Qu'est-ce que ça... Waouh, ça l'a transformé en super golem. Et du coup qu'est-ce que ça fait le super golem? Je comprends pas là. Il marche normal, il est tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? What? Pourquoi il a sauté? Mais pourquoi il saute que... Oh, il saute et il laisse du fer autour de lui. On a déjà 14 fers et il a encore sauté. Et oh là là. Mais il donne combien? Mais attends, mais wesh, c'est quoi tout ce fer? Attends, on va déjà pouvoir se faire un full fer directement. Oh là là, j'adore ce mode. Hop, le full fer, boum boum boum. Et on va même se faire un bouclier, tac. Et boum, voilà, on est full fer avec un bouclier. Du coup, il nous laisse vraiment beaucoup de fer là. Non mais c'est quoi tout ça? Je vais même me faire les outils, tu sais quoi? Hop, une pioche, une épée et une hache. On va se faire deux sauts directement. Et là, on est vraiment bien en vrai. Et on peut dire merci au super golem. Bon, par contre, je sais pas s'il faut que je le tue ou pas. Bon, on va essayer de le tuer. Allez, viens là, meurs. Allez, hop, boum, boum. Allez, meurs, boum. Allez, boum, boum. Oh, what, 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 what? Ok, il vient d'exploser. Est-ce qu'il m'a laissé quelque chose? Oh, oui, il m'a laissé une fleur multicolore là. Ok, c'est une super rose. C'est marqué qu'il nous faut de la rotten flèche. Ok, bah il faut que je trouve un zombie. Et je crois qu'il y en a un qui brûle juste ici. Let's go, viens là mec. Allez, meurs, meurs. Ok, j'ai 4 rotten flèches. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais ils ont parlé de rotten flèche. Du coup, oh, ok, je peux la poser ici. Et ça fait quoi? Peut-être qu'il faut que je fasse clic droit dessus. Oh, ok. On a un coffre avec écrit RIP dessus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Oh, ok. Un œuf de super zombie. Ouh là là, j'ai un peu peur. J'ai pas envie de le mettre. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Let's go. Ok, donc là c'est un zombie, mais il y a un compte à rebours juste au-dessus. Je vous avoue, ça me fait un peu flipper. On dirait une bombe à retardement. Vous savez quoi? Je me barre. Ça se trouve, c'est une giga explosion. Mais wesh, il me suit, il me suit. Non, je ne veux pas que tu sois là. Arrête de me suivre. Ouh, je me suis barré. Je ne veux pas qu'il me suive. Ah, là je crois qu'on est tranquille. Oh, wow. Ok, il se téléporte à moi. Et il arrête pas de me suivre. En plus, il va super vite. Regardez. Mais moi, je ne te veux pas. Je veux que tu meurs. Allez, meurs. Je crois que je peux même pas le tuer. Il ne veut pas mourir. Je crois qu'il est invincible. Bon, bah j'ai un super zombie qui me suit et j'ai l'impression qu'il est gentil. Mais pas à la fois parce qu'il y a ce compte à rebours qui me fait super peur. Bon, je vais en profiter pour récupérer de l'eau directement. Hop, hop. Est-ce que peut-être qu'il se passe quelque chose dans l'eau? Peut-être qu'il faut qu'il aille dans l'eau. Viens dans l'eau, mec. Allez, viens. Ok. Oh, ouais, non, il fait rien dans l'eau. D'accord. Bon, je vais essayer mon super bazooka. Et ça lui fait rien, mon super bazooka aussi. Bon, c'est vraiment un zombie invincible. Bon, bah, j'ai pas le choix d'attendre les 30 secondes, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ok, il vient juste de mourir et il m'a laissé un coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, on a une super épée. Apparemment, elle donne 5 fois plus d'items sur les mobs. Ok, et on a un filet pour attraper une chauve-souris. Pourquoi pas? Bon, mon épée, elle fait 8 de dégâts. Je pense que c'est comme une épée en netherite. Et franchement, niveau design, elle est plutôt stylée. Bon, moi, je vais dormir un coup. Et hop là, il fait jour. Bon, c'est parti, il faut qu'on trouve une chauve-souris maintenant. Bon, par contre, les chauves-souris sont plus souvent dans les grottes. Et d'ailleurs, oh, un Enderman. C'est le moment d'essayer notre super épée pour voir si elle donne 2 fois plus de loot. Allez, hop, viens. Là, boum, boum, et boum. Ok, on a eu 2 enderperles. C'est pas incroyable, mais ça va en vrai. Bon, c'est parti pour chercher une grotte ultra cheatée dans laquelle il y a des chauves-souris. Ok, il y a l'entrée d'une grotte juste ici. Ah, par contre, c'est une entrée de grotte avec de l'eau. On n'a pas le choix. Oh là là, il me faut vite de l'air. Ok, je crois qu'il y a une entrée juste ici. Wow, ok, je suis enfin sorti. Vite, mon bazooka, boum. Ok, j'ai trouvé l'entrée d'une super grotte. Il faut que je trouve une chauve-souris absolument. Allez, oh purée, il y a plein de chauves-souris ici. Allez, hop, faut que je capture une. Let's go. Oh les gars, j'ai une chauve-souris sous forme d'item. Non, mais c'est quoi ça? Bon, maintenant, peut-être qu'on peut crafter quelque chose avec cette chauve-souris, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Oh, ok. Une super chauve-souris. Qu'est-ce qu'il nous faut? Oh, ok, il nous faut du sucre. Heureusement que j'ai pris de la canne à sucre, hein. Ok, on va transformer la canne à sucre en sucre. Et hop, on peut crafter la super chauve-souris. Waouh! Ça a explosé ma table de craft et ça a fait spawn la super chauve-souris. Je sais pas trop ce qu'elle fait par contre. Oh, what? Oh, attendez, je peux la mettre sur. Oh, what? Ok, elle est sur moi. J'ai la super chauve-souris sur moi. Par contre, je sais pas du tout à quoi ça me sert. D'ailleurs, il y a un lac de lave juste ici. On pourrait déjà aller dans le nether en vrai. Par contre, je sais vraiment pas à quoi me sert cette chauve-souris, les gars. Oh, what? Je peux voler? Non, par contre, c'est trop bien, là, par contre. Non, 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 je suis en train de faire une survie et je suis en train de voler en même temps. Plus, avec mon super bazooka, je peux tuer tous les mobs que je veux. Et d'ailleurs, je peux même repérer du diamant. Regardez, hop, juste ici. Bon, bah, on va récupérer le diamant, let's go. Oh, par contre, ça, c'est vraiment bien, les mecs. Bon, c'est parti, on va se faire une pioche en diamant directement. Boum. Et c'est parti pour se faire le portail du nether. Boum, 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 boum. Hop, hop, hop. Bim, 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 boum. Et boum. Voilà. On a directement le portail du Nether. Avec le fait de pouvoir voler avec ma chauve-souris, je vais pouvoir trouver une forteresse ultra rapidement. Boum. Bon allez, c'est parti, on va aller dans le Nether. Let's go. Waouh. Oh, ok, je viens d'atterrir. Je vais garder les coordonnées directement. Et c'est parti, bah on peut voler, hein. Voilà, on peut aller chercher directement une forteresse. C'est ultra simple. Ou alors avant, on trouve un biome à Enderman. Oh, let's go. On a un biome à Enderman juste ici. Bon bah c'est parti, on a plus qu'à les tuer comme ça. Allez hop, boum, boum. Oh là, meurs. Ok, on a 5 perles. Oh, il y a un bastion. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les coffres directement? Oh, une épée en fer
Fire Respect. Ok, un bloc de fer, what? Bon, on va partir du bastion directement et on va trouver nos Enderman. Voilà, parfait, il y en a un juste ici. Allez, viens là, l'Enderman, boum, meurs. Parfait, ok, on a 9 Enderpearls. Non, vraiment, j'adore ce mode, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, juste en haut du bastion, bah, il y avait un Enderman, parfait. Boum, une seule Enderpearl, oh le radin. Allez, lui, je sens qu'il va m'en donner beaucoup plus. Allez, hop, viens là, meurs, meurs, boum, boum, parfait. Ok, on en a 13. Je pense qu'on peut en tuer encore un petit dernier. Hop, boum, boum, allez, meurs, boum. Ok, on en a 15. Bon, allez, un petit dernier pour la route, histoire de faire un stack pile. Bam, et on a un stack de perles. En vrai, c'est trop cheaté, j'aime trop. Et tout ça, c'est grâce à ma chauve-souris ultra cheatée qui me permet de voler en vrai. Bon, maintenant, à la recherche d'une forteresse du Nether. Parfait, il y en a une juste ici. Boum, on va se mettre directement devant un spawner. Bon, par contre, ils me font super mal. Allez, hop, viens là, boum, 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 boum. Ok, on a déjà pas mal de blaze rod. On a déjà 10 blaze rod. On a déjà tout ce qu'il nous faut. Bon, j'ai envie d'essayer quelque chose. Depuis le début de la vidéo, chaque mob a un truc quand on le tue. Et je pense que lui aussi. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner, mais ça se trouve, il va rien nous donner et on aura trop le seum. Dans tous les cas, c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il me faut pour tuer l'Ender Dragon. Allez, désolé, ma petite chauve-souris, meurs. Oh, ok, elle m'a donné un truc. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il y a une indication dessus. Ok. Par contre, je comprends pas trop l'anglais, mais c'est écrit Blaze. Du coup, on va faire clic droit avec l'item sur un Blaze. C'est parti. Ok, hop, clic droit. Est-ce que ça fait quelque chose? Et non, ça fait absolument rien. Ah, après, il tourne plutôt vite, j'ai l'impression là. Wesh, mais attends, il tourne super vite là. Ok, mais attends, il a pris de la. Waouh. Ok, c'est quoi ça? On a un Blaze. Mais attends, what? On a un Blaze multicolore. Oh, mais il balance des glaces. Attends, est-ce qu'on peut. Oh, on peut récupérer la glace. Ok, vite, vite, je récupère la glace. Faut que j'arrive à les tuer là. C'est quoi ça? Bon, on va essayer de le tuer directement. Je sais pas s'il me donne quelque chose. Ok, il m'a donné un truc, mais c'est tombé dans le vide. Il faut que j'aille chercher l'item. Ok, ok, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ok, il m'a donné une super Blaze Rod. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais je peux pas les transformer. Bon, en attendant, on va transformer les Ender Pearls en yeux de l'End. Boum, on a 16 œils de l'End. Je pense qu'on devrait pas trop se faire de soucis pour trouver le Stronghold. C'est écrit qu'il faut faire quelque chose avec la lave. Encore une fois, je comprends pas trop. Excusez-moi les mecs, mon anglais est super nul. Bon, peut-être qu'il faut faire clic droit avec de la lave. Non. En vrai, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'il faut que je la jette, mais j'ai pas envie de la jeter dans la lave. Non, vraiment, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec. Bon, on va essayer de la jeter dans la lave. Let's go. Oh, ok. Ça fait pop ce mob là. Je sais pas comment il s'appelle. J'oublie tout le temps son nom. Oh, reviens ici. Il part. Reviens. Peut-être que je peux lui monter dessus. Mais il part super loin. Oh, je peux lui monter dessus. Ok. Oh, waouh, il va super vite. Oh là là, c'est incroyable. Regardez les gars, je peux courir sur la lave à une vitesse incroyable. Oh là là, mais c'est quoi ce super mob? Je peux aller super vite. Et en plus, il a 4 places. Si j'avais 4 de mes amis, j'aurais pu les faire monter avec moi. C'est juste abusé. Bon bah c'est parti, on va essayer de retourner vers les coordonnées du portail du Nether. Ok, par contre, c'est super loin de nous. Le portail est à peu près en 0-0 et on est à 1000 blocs à peu près. Ok, même sur la terre ferme, je peux marcher ultra vite. Bon, on va devoir te laisser là, mec. Merci beaucoup de m'avoir amené jusqu'ici, c'est super cool. Bon, on va le tuer pour voir s'il nous donne quelque chose. Et oh, il m'a donné une super selle. Ok. Et d'ailleurs, on a eu de la glace. On va voir si je peux faire quelque chose avec. Et non, on dirait pas. Ah si, attendez, il y a un truc. Un casque de résistance au feu. Ok. Et donc là, si je le mets. Ok, on a résistance au feu à l'infini. Eh, le casque, il est plutôt stylé en vrai. Il devrait le mettre dans le jeu de base. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le trouve super beau. Ok, on peut sauter dans la lave et j'ai retrouvé le portail en plus. C'est parfait. Allez, c'est parti. De retour dans le monde normal. Oh, ok. Bon, je pense qu'il faut que j'adopte un cheval pour pouvoir utiliser la super selle. Bon, par contre, pour remonter à la surface dans cette grotte, ça va être compliqué. Ok, le super bacon me donne le jump boost et du coup, c'est trop facile pour remonter. Regardez. Vraiment, je me suis jamais autant amusé sur une survie juste parce que c'est trop simple en fait. Ok, me revoilà à la surface. Il faut que je trouve des chevaux. Moi, je sais comment faire venir des chevaux vers moi. Je me mets sur un arbre et je fais. Oh, les chevaux, venez vers moi. Et normalement, des chevaux seront pas très loin de moi. Bon, par contre, je vous avoue, je suis pas très sûr de ce que je viens de vous dire. Mais par contre, il y a combien de mobs là? C'est grave. Laissez-moi tranquille. Mourez. Oh, let's go, il y a des chevaux juste ici. Oh, on va prendre le blanc, il est trop stylé. En plus, il va avec mon armure. Allez, c'est parti, on va l'adopter. Allez, s'il te plaît, je veux l'adopter. Ok, let's go. Maintenant, je vais lui mettre la selle. Bam. Et il a disparu. Oh, what? Il avait disparu, je savais pas où il était. Il est juste ici. Oh, il est trop stylé. Waouh, il est multicolore, il est tellement beau. Ok, et si on le. Oh, purée, il va super vite. Et si je saute, est-ce que ça va. Oh, purée, ça saute super haut, d'accord. C'est un super cheval. Il va à une vitesse incroyable. Oh, attends, quoi? Il a laissé un bloc d'émeraude par terre. Ok, pourquoi pas. Attends, mais c'est quoi ça pour. Il laisse des blocs d'émeraude par terre, là, tu es en train de me dire? Mais attends, mais c'était un bug ou il y a vraiment eu un bloc d'émeraude. Attends, quoi? Là, maintenant, il y a un bloc d'or. Attends, mais il laisse des blocs par-ci par-là, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'il pourrait éventuellement mettre un bloc de diamant. Encore un
un bloc d'émeraude. Oh, let's go. On a un bloc de diamant. Incroyable. Avec le bloc de diamant, on va se faire directement un placeron. Boum. Par contre, j'ai perdu le cheval. Ah, ok, il est là. J'avais perdu le cheval. Il va trop vite. Bon, bah, en tout cas, il est super cheaté. Mais c'est parti pour trouver le stronghold. Let's go. Ok, c'est vert ici. Est-ce que ça va. Ok, ça l'a cassé. Bon, bah, en même temps que je vais chercher le stronghold, bah, je vais gagner des minerais. Bon, par contre, je suis arrivé sur la mer. Je crois qu'on va devoir abandonner notre cheval. Malgré qu'il était incroyable. Je suis désolé, mon pote. Bon, bah, tu vas mourir, malheureusement. Je suis désolé. Bon, même le tuer, c'est pas si facile que ça. Il arrête pas de courir. Allez, meurs. Meurs, meurs, meurs. Il m'a donné un super bug. C'est quoi ça? Donc, ça, les gars, c'est un bug sous forme d'item. C'est ultra bizarre. Bon, on va se faire un bateau directement. Boum. Et c'est parti pour trouver le stronghold. One eternity later. Bon, ok, on va en rebalancer une. Et oh, c'est par là. Bon, je pense que c'est en dessous de moi. Let's go, on y va directement. Allez, c'est parti, on descend. J'espère que je vais arriver pile dessus. Ok, on est dans le stronghold. Bon, apparemment, il faut que je combine le bug avec ce bloc là. Boum. Et boum. Et ça fait un super silverfish. Heureusement que je peux aller voir sur la page du mod qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que moi et l'anglais, je comprends rien. Ok, 3, 2, 1, boum. D'accord, donc on a un silverfish qui nous fait absolument zéro dégâts. Il est multicolore. Ok, il est stylé. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Je comprends pas. Peut-être qu'il faut lui donner des coups. Non, ok, non, c'est pas ça. Peut-être qu'il faut que je fasse. Oh, ok, il faut que je fasse clic droit dessus en fait. Il y a plein de livres et tout qui arrivent. Et on a même des underperles. Oh, ok, ils m'ont donné plein de trucs. On a eu pas mal de fer. On peut se faire une enclume directement. Boum. Et du coup, on peut mettre un protection 3 par exemple sur le plastron en diamant. Et boum. Là, on est vraiment bien. Normalement, il y a des fils un peu partout. Let's go. Ok, donc là, boum, boum. Je vais pouvoir me faire mon arc. Ok, donc j'ai trouvé un livre Power 4. Et j'ai trouvé un Feather Falling 4. Ça, c'est cool. Boum. Là, on est vraiment bien. Le seul problème, c'est que j'ai pas beaucoup de flèches. Faudrait que je trouve un petit Infinity là. Ok, j'ai trouvé un livre Infinity. Il me faut 5 levels. Ok, parfait. Il y a du lapis juste ici. Let's go. Bon, en vrai, je vais farmer les silverfish une fois qu'on aura trouvé le portail. Et j'ai cru l'avoir vu tout à l'heure en passant. Et oui, c'était bien ça. Je suis déjà niveau 4. Boum, boum. Bon, allez, on est niveau 4. On va casser le spawner. Et oui, let's go. On est niveau 5, même 6. Et hop, un Infinity. Ah, on est enfin arrivé. D'ailleurs, je vais tuer le super silverfish. Peut-être. Ah, j'en étais sûr. Le super silverfish m'a donné un truc, une super slime. C'est marqué qu'il y a les Enderman aiment beaucoup manger les super slimes. Donc on va essayer ça. Allez, c'est parti, je dois affronter mon destin. Boum, 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 bam, 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 bim, 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 let's go. Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, les gars, je le dis pas assez souvent. Et sur ce, let's go. Ok, me voilà directement dans l'end. Boum, je balance une underpearl. Et boum. Bon, apparemment, les Enderman, ils aiment bien manger le super slime. On va essayer de lui donner. Et oh là là, ils vont exploser. Non, mais c'est quoi ça? What? What? Il est géant. Non, mais attends, mais il me fait mal ou pas? Ah oui, il me fait super mal, ok. Vite, faut que je mange un super bacon. C'est quoi ça? Non, mais c'est pas possible. Il est super fort, cet Enderman, il est géant. C'est la première fois que je vois un Enderman aussi grand. Ah, il me fait super mal. Mais stop. Ok, j'ai eu une super underpearl. D'ailleurs, je peux balancer l'Underpearl sans prendre de dégâts de chute. Regardez, c'est abusé. Bon, qu'est-ce qu'elle me fait? Faites clic droit sur l'Under Dragon une fois qu'il a 50% de vie. Ouh là là, je sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais je sens qu'il va se passer quelque chose avec l'Under Dragon. Bon, bah, c'est parti, on va essayer de péter tous les Ender Crystals. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ah ouais, ça les pète, let's go. Allez, boum, pète, let's go. Parfait, on peut les péter ultra facilement, regardez. Non, mais je suis vraiment en train de tous les péter hyper facilement. Allez, hop, toi tu pètes, boum. Allez, hop, toi tu pètes, boum. Allez, boum, là, toi tu pètes aussi. Toi là-haut, boum, tu pètes. Et je crois qu'on a déjà pété tous les Ender Crystals. Bon bah c'est parti, on a plus qu'à le mettre à 50% de vie. Let's go, allez hop, meurs. Allez, on le spam, let's go, meurs, 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 meurs. Il faut le mettre à 50% de vie. Ok, je crois qu'il est à 50% de vie. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Je vais attendre qu'il descende pour pouvoir utiliser l'Enderpearl cheaté. Ok, il arrive, c'est parti. On va lui balancer l'Enderpearl, boum, allez, boum. Ok, what? C'est quoi, what? Attends, je suis vraiment sur l'Under Dragon. Je peux le tuer, let's go. Parfait, on va le tuer. En fait, j'ai même pas envie de le tuer. Je veux voir si je peux voler avec lui. Et oui, je peux voler avec lui. Je suis sur l'Under Dragon dans le plus grand des calmes. Bon bah c'est parti, il faut le tuer, let's go. Allez, meurs, meurs, il faut le tuer. Allez, meurs, boum. Ok, il est mort, let's go. Oh, en plus on a plein d'XP, ah, incroyable. Bon, en tout cas les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, ciao.